tout à l'heure, il est beau entre frères et sœurs de demeurer ensemble. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Le Seigneur est merveilleux et il aime que nous l'adorons. Il aime ces moments. Il aime que nous nous réunissons en sa gloire. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent de partout. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors nous allons prendre la Bible. Luc 4, verset 18. Prenez le temps de chercher le verset. Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. Ce verset m'a fait du bien. Et j'ai eu à cœur de partager ces mots. Et amna ci sama xol bokk ak yeen aya bobu. Waxtu ñaan bi ci suñu biir yi mbokk. Alors, Luc 4 verset 18 dit Luc ci ñent ba fuk ak juroom ñet mu ngi wax ne L'esprit du Seigneur est sur moi. Mu ne xelu borom bi mu ngi ci man. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous allons le relire ensemble. Tous ensemble. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On le relit pour la dernière fois. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Alors dans ce passage, on peut noter que ici c'est Jésus qui parle. Jésus a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce passage m'a fait réaliser qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin d'être revêtus du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, il est vraiment impossible de faire les œuvres de l'Éternel. Sans le Saint-Esprit, on fait les œuvres de l'Éternel avec la chair. Et la Bible nous dit que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Jésus-Christ, lorsqu'il repartait au ciel, il a dit, je vais auprès du Père, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai mon Esprit Saint, le Consolateur, celui-là qui vous enseignera sur toutes choses. Raison pour laquelle ce soir encore, nous allons prier, nous allons implorer la puissance du Saint-Esprit, invoquer le Saint-Esprit de tout cœur, afin que Dieu nous remplisse, que Dieu nous remplisse pendant ces temps de confinement. Beaucoup de jeunes que nous sommes, on se donne à la distraction. Sur internet, les réseaux sociaux, les parents sont là, les enfants font tout ce qu'ils veulent. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, on a le Saint-Esprit. On n'a pas besoin que les parents soient derrière nous pour nous dire quoi faire. On n'a pas besoin que les parents soient là pour nous dire à chaque instant, ça là c'est pas bon, ça c'est pas bon. Quand on est rempli du Saint-Esprit, le Seigneur nous parle et on est conscient des mauvaises choses. Nous allons prier, dire au Seigneur de nous remplir par son Esprit Saint.
Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bien aimé, élevons la voix et prions. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens encore nous remplir ce soir. Sinon, oui, ce soir, nos coupes sont vides. Sinon, nous désirons être remplis. Sinon, nous désirons être remplis de toi. Remplis nos coupes ce soir. Remplis nos coupes ce soir. Nos coupes sont vides. Nos vases sont vides. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Oh, l'Esprit qui a ressuscité Jésus contre la mort. Que tu ressuscites du troisième jour. Seigneur, remplis-nous ce soir. Remplis-nous ce soir, Père. Car nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, descend. Remplis-nous de ton nom. Remplis-nous de ta puissance. Car tu as dit, Seigneur, que nous pouvons rien faire. Que nous pouvons rien faire, Seigneur. Ensemble, nous crions vers toi, Jésus. Afin que ton Esprit Saint descende. Que ton Le Seigneur, Jésus, honore ta parole, car nous te croyons, Seigneur. Nous croyons ta vérité. Seigneur, quand tu dis un mot, la chose arrive. Nous remplissons ce soir, car nous avons besoin de toi. Jesus,
Pendant ce temps de confinement, c'est compliqué. C'est difficile pour les enfants de Dieu d'évangéliser comme on le faisait autrefois. D'organiser des séminaires afin d'évangéliser. C'est difficile. Maintenant. Mais le Seigneur est capable de toutes choses. Waye borom bi mën na lepp. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Téré bi dafa wax né lepp mu ngi joggé ci ñi nga xamantene ño bëgg borom bi. Nous allons prier pour que l'évangile de Christ rentre partout. Dinañu ñaan ngir yeklé Jésus-Christ a dugg fu né. On voit beaucoup de gens qui meurent. Gis nañ nit ñu bari ñuy dé. Ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, le diable est en train de gagner des âmes. Alors que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Nous allons prier.
afin que l'évangile rompe de partout d'une manière à une autre sur les réseaux sociaux, que le Seigneur localise ceux-là qui ne le connaissent pas. Parce que ça fait mal de voir les enfants de Dieu périr comme ça. Des âmes potentielles qui partent en enfer sans se donner à Christ. Ça fait mal. Nous allons prier pour ceux-là qui sont dans les hôpitaux. Peu importe. Ceux-là qui sont proches de la mort, ceux-là qui sont malades, qui sont partout dans le monde entier. Nous allons prier avec l'évangile de Christ, la bonne nouvelle arrive à eux. Que toutes ces âmes potentielles ne meurent pas sans se donner à Christ. Ensemble, élevons nos voix et prions. Alléluia. Alléluia. Rui, what is it? Rui, what is it?
Jésus, tu te réjouis, mon Père Jésus, tu te réjouis, tu es ça, tu te réjouis, 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 tu Il a annoncé l'évangile. De don yek le xabar bu neex bi. Mais il est encore allé plus loin. Waye dafa dem lu gëna sori. Il a guéri ceux-là qui avaient le cœur brisé. Dañ dafa wéral ñi nga xamantene seen xol dafa yaq. Toutes sortes de maladies. Yesu daldi wéral bép façon fièvre. Il a guéri toutes sortes de maladies. Wéral na fièvre bu ne. Là où les gens se disaient c'est impossible. Fa nit ñi don waxé naan mëntane. Yesu Christ a def nako. Merci, Jésus.